Bienvenue tout le monde, on se retrouve sur une nouvelle vidéo de Subnautica. Aujourd'hui, je vais vous montrer une combinaison. En gros, comment moi je place mes affaires d'un cyclope pour partir en voyage quand ça peut servir de base mobile. Premièrement, dans le proche de l'écoutille, je place toujours le fabricateur. En fait, on va commencer par le premier étage. Là, je mets plein d'armoires murales. Plein. Puis, si vous êtes overkill et vous voulez vraiment avoir plus de stockage, vous pouvez placer ça par-dessus. Puis vous pouvez toujours ouvrir l'armoire derrière et l'armoire devant. Sauf que moi, je le fais pas parce que même à ça, tu remplis jamais tes stockages, là. Ben, moi, personnellement. Vous pouvez en placer ici, sur où que la baie à prom... ouais, la baie où que tu peux placer toi, soit ton ciment, soit ton prom. Mais regarde, si tu mets une armoire murale, je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait. Ça passe à travers, puis pour vous prouver que c'est à cause que j'ai mis l'armoire, j'allais le démolir, puis vous allez voir, il n'y a plus la marque blanche. En fait, c'est parce que ça passe à travers. Ce qui est, je trouve, dérangeant, mais même, c'est un peu dérangeant visuellement, puis au final, t'as pas besoin plus de stockage que ça. Mais par contre, j'en mets quand même là, une place qui a deux étages de stockage, puis une que juste une. Étage jusqu'à l'étage. Ici, je mets toujours une radio parce que je trouve que ça fait stylé dans la place où que tu pilotes le cyclope. Je trouve que ça va bien ensemble. Je mets une affaire qui. Un fabricateur de 4 médicaux. Je sais pas pourquoi, ça a buggé. Ça flotte, c'est étrange. Mais toujours utile parce que quand tu te prends des dégâts en exploration avec un cyclope, c'est un peu dommage. Là, je mets toujours des pots de fleurs pour pouvoir mettre des plantes qui se bouffent. Au cas où si t'as comme vraiment plus de bouffe. Puis je mets toujours un aquarium avec plein de peepers dedans, vu que ça donne plein de bouffe. Ben, vu que t'es capable d'avoir de la bouffe pendant longtemps quand t'es en exploration. Parce qu'à mettons dans la lave, dans la zone de lave inactive puis active, il n'y en a pas. Là, je mets une station de modification. Plus je mets trois stockages, gros stockages, sur le côté, comme penché, genre comme ça, parce que sinon, je peux pas en mettre trois, je peux juste en mettre deux. Là, je mets plein d'armoires murales. Puis aussi, je mets un lit parce que ça va mieux. Ben, comme ça, après, tu peux dormir. Puis ça, c'est... ça vient avec, là, tu sais. Puis c'est pas mal ça, je pense, pour le... Enfin, mais comme ça, ben, vous pouvez... bye, hein. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de liker. J'espère que ça va vous aider pour bien aménager votre cyclope. À la prochaine!